pose du pilates, je vais un petit peu combiner du renforcement avec, mais on va toujours rester sur ces référentiels pilates. Donc on démarre pied largeur de bassin et on vient inspirer. Ouvre les bras légèrement en avant et tu ramènes. Inspire, cette fois-ci vers l'avant. Ouvre et ramène. On reprend, inspire. Allez, cette fois-ci, on vient chercher le dos rond. Redresse, ouvre et descend. Reprends, inspire. Dos rond. Ramène. Encore, inspire et tu restes dos rond. Pousse et tu redresses. Redresse, dos rond. Dans le dos et on pousse mal au dos et tu redresses encore les épaules basses, allonge bien la tête, pousse bien les fessiers à l'arrière, on reste en bas, position du sauteur assis, les paumes de main vers les fessiers, petit mouvement dynamique. Les épaules basses, essaye déjà de te grandir. Cool. Allez, on est déjà tonique jusqu'au bout des doigts. C'est l'échauffement, hein. Tu gardes la position et tu viens tirer la jambe droite. Et tu ramènes. Jambe gauche. Allez, on alterne plusieurs fois comme ça. Allonge bien le pied. Alors la pointe de pied, hein, soit elle reste décollée, soit elle peut toucher le sol. Viens bien tendre ta jambe. Allez, tu restes jambe droite tendue. Ouvre les bras vers le ciel. Et petit mouvement, hop. Respire bien. Allez, encore. Trois, deux, un. Et on se place. Cette fois-ci, jambe gauche, ouvre les bras. Et petit mouvement, allez. Déjà tenir son ventre, hein. Pense-y, épaules basses. Grandis-toi. 3, 2, 1 et tu ramènes. Les mains au niveau des cuisses, dos rond. Encore, inspire. Dos rond. Et tu restes en bas. Tu viens glisser ton ventre vers tes cuisses. Les mains dans le sol si ça va. Si ça va pas, tu gardes les mains sur les cuisses. Petit mouvement. Et tu restes ici. Tu ouvres. Et le long. Tu ramènes au sol. Petit mouvement. Et... tu restes. Tu ouvres le long du corps. Allez, dernière fois, petit mouvement. Allonge. Tu ramènes, tu déroules. Et tu restes là. Longe. Et tu changes. Encore, inspire. Souffle. Encore, inspire. Souffle.
D'accord. Dernière fois. Très bien. On démarre. Les jambes assez larges. Les genoux légèrement fléchis. On vient engager son périnée. Donc on ferme les portes en bas, devant, derrière. On rentre légèrement son ventre, à peu près 30%. Très bien, tu mets en place ta respiration thoracique. Tu inspires. Cherche le fond de ta gorge, la chaleur dans la bouche. Et en même temps que tu inspires et que tu souffles, tu cherches toujours à remonter. Engage périnée transverse. Périnée transverse, toujours dans ce sens-là. Abaisse tes épaules, laisse glisser les omoplates le long de la colonne vertébrale, tire sur le sommet de la tête. Très bien. On va venir fléchir sa jambe droite. Alors, le pied est orienté vers ma fenêtre. Je ne sais pas si tu en as une, mais en tout cas, c'est par là-bas. Très bien. On vient pousser. Ok. On met en place la respiration. Inspire. Souffle. Et tu maintiens la position. Très bien. Toujours ses épaules basses. Et on vient ouvrir. Tu inspires. Et tu souffles. À ton rythme, il faut compter. Entre 5 et 10 mouvements. Encore, inspire. Cherche toujours à te grandir. Si ça chauffe trop dans tes bras, hein, tu peux les ramener complètement hein, quand tu reviens en position en haut. Allez, encore. Tiens ta tête, hein. Si tu arrives, viens toucher le sol. Tonique jusqu'au bout des doigts. Si tu sens que ça chauffe trop, fais une petite pause, hein. Allez, je te laisse terminer. On est dans cette position et tout petit mouvement. Toujours avec la respiration. Encore, inspire. Si ça chauffe trop, hein, on ramène les bras plus bas. Souffle. Le regard
maintiens. Toujours jambes tendues ou genoux au sol. Tu repasses une main de chaque côté. Et tu ouvres. Allez, maintiens bien. Courage, hein, si tu craques, pose deux genoux à l'arrière. Et tu relâches. Reviens, jambes tendues. Tu peux légèrement ramener si tu veux. Tu repasses de face. Jambes tendues. Tu laisses aller la tête vers le sol. Si tu fais de l'hypertension, regarde le sol. Si ça va, s'il n'y a pas de soucis, tu peux laisser tomber le poids de la tête vers en bas. Respire bien. Relâche tes épaules. Allez, fléchis tes genoux. Tu peux passer les mains dans le dos. Et tu déroules. Très bien. Les mains dans le dos. Alors, si tu arrives, tu peux attraper tes avant-bras ou même attraper tes coudes. Alors ça dépend de ta souplesse. Hein. Donc, soit les mains, soit les avant-bras, soit les coudes. Tu allonges bien ton dos. Très bien. On reste ici. On va allonger. Très bien. Si ça va, essaie de tendre un petit peu plus tes jambes. Très bien. On est sur un placement là. On allonge bien. Travail postural. Très bien. On vient légèrement pincer les omoplates et on relâche. C'est un tout petit mouvement. Inspire. Souffle. Ça chauffe trop, hein? C'est plus facile. Je vais te profiter pour que tu vois bien. Inspire. Souffle. Pousse tes épaules à l'arrière. Ramène. Inspire. Tiens bien ta tête, hein? Dernière fois. Très bien. Tu peux plier tes genoux, tu relâches les bras. Et tu déroules complètement. Allez, inspire, ouvre les bras. Et souffle. Inspire. Souffle. Encore. Ses jambes ouvertes, on va faire l'autre côté maintenant. Fléchis légèrement. Tu ouvres ton pied vers ton poêle à bois. Très bien. Allez, tu ouvres, tu inspires. Allez, on se concentre d'abord sur les référentiels. On ferme les portes. J'oublie les choses. Concentration. Ferme les portes. Engage ici. Respiration. Épaules basses. Tire sur le sommet de ta tête. Engage correctement. Dans le mouvement, tu places ta respiration. Place ta jambe. Allez, inspire. Souffle. Encore. Pas obligé d'aller au même rythme que moi, hein. C'est le rythme de ta respiration qui va définir la rapidité du mouvement. Je rappelle que si ça chauffe trop dans tes bras, tu peux ramener la main en bas. Toujours à compter le nombre de tes mouvements, hein, pour bien équilibrer les deux côtés.
sur ses épaules basses. Rendis-toi. Soit le genou au sol, si tu démarres, hein, genou au sol. Soit jambe tendue. On peut se concentrer dans ses référentiels. On va mettre les deux mains du même côté, à l'intérieur du pied. Et tu vas ouvrir la main qui est vers moi. À l'inspiration, et tu souffles dans le retour. Allez, c'est parti, inspire. Ne force pas, hein, fonction de la souplesse de tes bras. Encore une. Allez, à nouveau, concentre-toi cette fois-ci. La main côté pied. On va l'ouvrir vers le haut. Rappelle que tu peux toujours poser ton genou au sol. On replace une main de chaque côté. Et on ouvre. C'est difficile. Hop, on replace le genou au sol. Viens chercher, hein. Aussi loin que tu peux. Se replacer sur son pied, tu pivotes vers moi. Pousse les fessiers vers le plafond. Allez, relâche bien. Plie à nouveau les genoux. Déroule ton dos. Comme tout à l'heure, soit tu attrapes tes mains, tes avant-bras ou tes coudes. Allez, viens chercher en bas. Grandis-toi au maximum. Allez, j'espère que tu sens que ça tient un petit peu dans les épaules. Hein. Là, on est sur du travail postural. Allez, tu peux venir chercher un petit peu plus loin si ça va. Hein, par rapport à tout à l'heure, on est sur un mouvement qui est statique. Alors si tu sens que l'arrière de tes cuisses, il faut que tu fléchisses un petit peu plus. Utilise ta respiration pilate. Si vraiment la position devient désagréable, tu relâches, hein. Donc tu éloignes tes mains. Allez, on relâche tous et on déroule le dos. N'hésite pas à boire un petit peu. Allez, cette fois-ci, on va venir avec l'utilisation du tapis. Allez, donc c'est le mouvement de l'éléphant, je l'aime bien l'appeler comme ça. Donc, qui est largeur de bassin. Concentre à nouveau dans tous tes référentiels. Il va falloir que le chien s'enlève. On va voir. Là, là, viens là, viens. Là. Là. Là, viens là. Et pousse-toi. Coupe à ta pouf.
les jambes tendues le plus possible. Si quand tu es ici, tu ne touches pas le sol, il va falloir que tu plies un petit peu tes genoux. Par contre, tu vas les garder un petit peu pliés pendant tout le mouvement. Par contre, si tes jambes sont tendues, tu peux y aller. Allez, on va mettre. On maintient la position. Et on ramène. Et tu déroules. Très bien, maintenant on se concentre. Préférence pilates. Allez, on enroule, tu souffles. Inspire. Là, tu souffles. Souffle. Inspire, reviens. Sur la chaîne postérieure, tes avant-bras parallèles à ton tapis, les talons vers l'extérieur. Tu vas ouvrir omoplate, épaules, tête en même temps. Tu regardes au bout du tapis, jamais devant. On regarde le bout du tapis. Alors le pubis légèrement dans le sol. Et ton ventre toujours léger. C'est-à-dire que tu ne viens pas presser avec ton ventre. Tu ne dois pas sentir tes fessiers qui se contractent. Ta tête reste de face. Si tu sens un pincement dans le bas du dos, tu arrêtes immédiatement l'exercice. Reste en haut. Regarde, tes paumes de main se regardent. Et là, tu vas pousser tes bras vers le haut. En gardant tes omoplates basses. Si c'est trop dur, tu reprends l'option précédente. Appui pubis, cuisse contractée.
Tes cuisses décollent normalement, hein. Elles décollent du sol, tes genoux aussi. Tes jambes restent bien tendues. Tu te concentres dans tes références pilates et tu commences les battements. Tu souffles, tu inspires sur l'autre jambe. Si ça va, tu peux ouvrir le buste sans écraser ton ventre dans le sol. Souviens-toi la coccinelle. Petite coccinelle sous le nombril. Et tu peux donc activer tes bras si tu es expérimenté. Jambes et bras opposés. Faut bien rester à l'écoute, hein.
Voilà, donc là, vous allez vous mettre sur votre sacrum. On y va, hop, coccyx, on laisse enrouler le bassin. Hop. Tiens, un peu toi. C'est bon, vous êtes sur votre sacrum? Vous l'avez trouvé? Sacrum, hein? Ok, une fois que vous êtes ici, vous vous concentrez dans vos référentiels. Super, alors celui-là je l'ai bien, on l'a déjà fait, souvenez-vous. Je vais donner des nouvelles variantes aujourd'hui. Allez, on y va, jambe droite et jambe gauche. Donc le but quand même c'est de venir tendre sa jambe. Et normalement tout le monde tend sa jambe. Hein. Si t'en fais que 3 de chaque côté, c'est très bien. Fais la petite pause. Voilà, donc si tu démarres, hein, que tu galères, que tu sens déjà les choses dans ton ventre là, ben reste comme ça, fais pas plus dur, ok? Ok. Ça va comme ça? Tu t'alignes bien droite et gauche et ensuite on va venir ouvrir une jambe. Pousse-toi le chien. Et l'autre jambe. Et on ramène. Une jambe après l'autre. Ah ben là, je vais galérer à fond. Hein. On ouvre cette fois-ci un petit peu plus les jambes. Allez, continuez. Vous n'arrêtez pas. Merci le chien. Assis. 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 Allez, va bouger. Allez, terminé. Tout le monde est souhaite de rester en haut. Allez, soit les mains derrière les cuisses, juste au-dessus des genoux, soit ici. Allez, plus aguerri. On va essayer de se grandir, d'allonger le dos. Tiens ce que tu peux. Et tu relâches. Contrôler sa descente. Tu viens sur ton sacrum. Pied largeur du bassin. Allez, concentre-toi. Et tu viens en chaise renversée. Ok. Allez, on enchaîne avec le single leg stretch. Donc là, on ne va pas faire trop de pause entre les exercices, on va essayer d'enchaîner. Donc, t'imagines que tu repousses quelque chose et tu freines l'autre jambe. Si tu es quelqu'un qui est déjà expérimenté, tu peux faire l'option buste relevé. Alors, buste relevé, ça veut dire les omoplates relevées. Et le regard entre les cuisses. Allez, termine ton mouvement, tu contrôles, pied largeur du bassin, tu te remets à nouveau sur ton sacrum. Les mains le long du corps et on y va avec le pont. Tu viens écraser les lombaires et ensuite seulement tu décolles, tu souffles, tu n'as rien derrière la tête. Inspire, essaie de ne pas écarter tes genoux quand tu es en haut. Maintiens l'axe. Tu as aussi l'option pieds et genoux serrés. Tu peux la faire. Allez, là je vous invite toutes et tous à rester en haut.
pense à tes référentiels. Allez, tu ouvres tes bras maintenant. Tu ouvres et tu imagines que tu ramènes quelque chose, tu resserres. Imagine que tu veux écraser un gros ballon gym là. Inspire. Là, tu le retiens. Si tu sens la fatigue trop fort, tu t'arrêtes. Doucement, bien sûr, hein. Toujours un contrôle. Allez, pied largeur du bassin, tu reviens dans tes référentiels. Et tu viens en chaise renversée. Option 1. Le but, c'est d'engager ton transverse et tes fléchisseurs de hanche. Quand tu respires, hein, toujours, hein. Tu dois les sentir. Si tu les sens pas, ça peut arriver, hein, que tu ne sentes pas ton transverse. Hein. Il faut insister. Un muscle détendu, on ne le sent pas quand il se contracte. Hein. Il faut d'abord le muscler un petit peu. Et ensuite, on le sent. On sent qu'il travaille. De toute façon, le transverse, plus il est tonique, hein, plus vous le sentez vite. Le chien marche sur mes lunettes. Non mais, tu rappelles l'option 2, enfin 2 plus plus plus. Il y a les plus expérimentés qui connaissent celui-là. Hein. Par contre, j'ai entendu, c'est uniquement si vous avez le buste relevé. Hein. On a toujours l'appui sacrum. Doucement. Je patate, hein? Hein, dis le chien? Je patate. Ça y est. Alors, on continue avec le sizer. Sizer, please. Alors, je vais renverser. L'option 1. Donc, tu souffles. Je rappelle que tu peux varier la vitesse, mais pas la respiration. La respiration, c'est toujours la même vitesse. Hein. Donc là, il faut être vigilant, c'est vraiment le genou au-dessus du bassin. Hein, vous avez tendance, vous mettez tellement d'énergie dans vos mouvements, vous avez tendance à faire ça, hein, à venir écraser le genou. Attention, limitez le mouvement. Et après, on peut aussi faire les jambes en diamant. Choisissez l'option qui convient. Naturlich. Naturlich, fly, flouch, flouch. Ah oui. Toi aussi, tu veux faire la zine. Ah oui, moi, je veux pas faire la zine, moi. Ah oui. Moi, j'ai fait la zine, moi. Le matin, le soir, tous les jours. Ah oui. Ah oui, oui. Moi, je suis un super toutou, moi. Ouais. Oui, t'es un super toutou. Moi, oui. Bah oui. J'ai mal, moi. Voilà, plutôt que je suis d'un mal. On repose doucement. Allez, je vous invite à venir cette fois-ci sur les genoux. On va terminer là-dessus.
choisissez, c'est vous qui voyez. Donc ce que vous allez faire, donc, je vais montrer l'option. Hein, enfin, il n'y a pas vraiment d'option sur les genoux. Il faudrait que vous essayiez d'être sur les orteils. Ok. Tu vas venir tendre. Et tu chopes. Si t'en fais que deux de chaque côté, hein, je t'en voudrais pas. Donc je te rappelle hein, qu'il faut venir dans tes référentiels avant de démarrer. Donc avant de commencer, bim, hop, on se place et tu vas contracter tes cuisses. Allez, termine là-dessus. Tout le monde vient sur les genoux et sur ses avant-bras. Concentration référentielle. Tu pousses sur tes genoux. Périnée transverse. Épaules et tête. Hein, souvent la tête, moi je vous vois avec vos têtes là qui regardent vos genoux. Hein. Donc la tête elle reste dans l'axe. Là tu vas venir inspirer et souffler dans le retour. Les deux genoux dans le sol. Tu laisses le bassin s'ouvrir. Et tu souffles. Je te laisse terminer. Super. Et là, tu peux venir derrière. Tu peux venir placer un bras sous l'autre, orienter ton regard. Et là, on étire l'épaule. À respirer, à bien laisser aller ton corps dans le sol. Et tu changes. Place-toi à quatre pattes et tu viens regarder ton nombril, tu souffles. Et tu inspires. Tu peux légèrement creuser, regarder vers l'avant. Et on reprend, souffle. Un pied. Position chevalier. Allez, poussez bien vers le sol. À l'arrière.
change. Chevalière, voilà, c'est pas facile tous les jours, pour nous c'est pareil, maintenant le tout c'est de se lever et puis de mettre un pied devant l'autre et puis de continuer à garder le sourire et avoir le positif dans tout ça, même si c'est, parfois c'est difficile, hein, j'en suis consciente, mais voilà, essayez de voir toujours le positif et vous verrez bientôt on va se retrouver, en tout cas voilà, on croise très fort, prenez bien soin de vous et si je vous revois pas, passez de bonnes fêtes.